Les Dominicains au Rwanda. Méditation du deuxième mardi du temps ordinaire. Le Fils de l'homme est maître du sabbat. Chers frères et sœurs, loué soit Jésus à jamais. En ce deuxième mardi du temps ordinaire, année liturgique B, nous entendons des pharisiens qui reprochent aux disciples de Jésus de faire ce qui n'est pas permis le jour du sabbat, c'est-à-dire arracher des épis dans les champs de blé. Selon ces pharisiens, arracher des épis équivaut à moissonner, à égrener, à battre le blé. Bref, des activités agricoles qui étaient prohibées le jour du sabbat, consacrées au repos. Pour ces grands connaisseurs de la loi juive, chaque juif devait observer strictement la loi du sabbat, peu importe les circonstances. Jésus réagit à cette façon de comprendre la loi mosaïque en donnant une interprétation basée sur la miséricorde. Selon lui, les lois de Dieu ne visent pas à écraser les humains, mais à leur permettre de s'épanouir pleinement. Dieu veut la miséricorde, non le sacrifice. Et c'est la raison pour laquelle Jésus s'est toujours montré très sensible à la misère des pauvres avant de penser aux lois en vigueur. D'où sa ferme conclusion, « Le Fils de l'homme est maître du sabbat ». Frères et sœurs, quand Jésus dit qu'il est maître du sabbat, il ne parle pas de lui-même seulement. Il parle aussi de tout être humain, y compris nous, chrétiens d'aujourd'hui. En vertu du lien fort qui unit Jésus aux êtres humains, tout être humain est maître du sabbat. Nous sommes maîtres du sabbat comme Jésus. Les commandements de Dieu et les lois qui s'en inspirent n'ont pas pour but de nous rendre esclaves ou de nous amener à dominer ou à écraser les autres. Ainsi, nous ne devrions pas fermer nos cœurs et nos yeux à la misère de nos frères et sœurs en humanité qui peinent à avoir une vie digne et paisible. Nous pensons par exemple à plusieurs victimes des abus d'autorité, au peuple privé de paix, à certains membres de nos communautés qui ne sont pas écoutés, etc. Certes, il faut avoir des lois pour sauvegarder le bien commun et les droits de chacun d'une part, et pour nous faire prendre conscience de nos responsabilités sociales et communautaires d'autre part. Mais Jésus nous invite à observer ces lois de manière intelligente et sage, c'est-à-dire en considérant d'abord l'être humain et ses besoins. Prions. Seigneur Jésus, tu viens encore nous libérer de tout ce qui nous entrave. Garde-nous de tout l'égalisme qui fait passer la loi avant la miséricorde, et fais-nous vivre pleinement dans la liberté de l'Esprit-Saint, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.